bonjour YouTube, peut-être on a 2000$ sur Hellcase, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je fais quelque chose de particulier, genre j'ouvre 10 caisses couteau, est-ce que je tente des petites caisses? C'est nul les petites caisses hein. Ok, pour se mettre en haleine, petite caisse à WAP. Oh le micro par contre il commence à rendre fou. J'ai vu des airs hydra, j'y ai pas cru une seule seconde. Par contre il y a des mecs qui ont fait x80 là-dessus? Comment ça? Fait des grosses caisses c'est plus fun. Chaque chose en son... Oh! Non, je rigole, personne n'y a cru. Pour moi, le plus fun sur Hellcase, c'est même pas le case opening et c'est ça le problème. Le plus fun sur Hellcase, c'est de faire des upgrades. Ça fait des semaines que je suis pas co sur le site et je viens de voir que j'ai été ban. Oh, penses-tu que c'est parce que c'est un site russe et que je m'appelle Staline sur Steam? Mais aucun effort là par contre. 328$? Ah, mais il y a des vrais combats là. Hein. Là, il y a un vrai combat. C'est rare qu'il y ait des vrais combats sur Hellcase, donc je vais le rejoindre. Putain, mais il y a beaucoup de caisses, j'avais pas vu. Oh là, désolé, mais le micro il part vraiment en couille. Je pense qu'il a besoin de repos un peu. Il a beaucoup travaillé récemment. Je suis où là en fait? Je suis à droite ou... Ah, je suis à droite. Non mais tu connais que ça 20 balles, ça peut partir en couille, on connaît très bien. Oh, il est long ce lait! Putain, il y a plein de caisses, j'ai le temps d'aller mettre des instrus là. Ouh, j'ai une au noir, j'avais pas vu. USP Orion, ok, là je le baise par contre. 30$ l'USP Orion, ça j'aime bien. Ok. Toujours devant. Des petites instrus comme ça. Alors, il reste quoi là? On est sur la caisse première, on voit pas le prix de cette caisse. Ah, 32. Oh! Ça fait combien là? 220 plus 98? C'est vraiment pas ouf. Mais c'est vraiment pas ouf! Je vais récupérer. Je vais récupérer 5$ sur ce battle. Increase your drop by times 2 times 4. On a même pas fait fois. On a à peine fait fois 1. 10$ la caisse ici. Y a pas eu une seule caisse en bénéf. Ok. Ah, j'en ai eu un en bénéf. Ça pue sa mère. Hein. Allez, on vend tout. 160. Ouh, j'ai vu que c'était des grosses caisses là. Hein. Allez. Ah, mais il y a plein de caisses. J'avais pas vu. Il y en a une qui vaut cher et tout le reste, c'est des trucs à 7$. Ah, shit. Ils jouent à quoi les gens? Ils veulent wedger ou quoi? Vous avez un wedger à terminer pour pouvoir cash out? C'est pas possible. Ouh, bah merci pour les caisses, mon ref. Je dis où, j'ai 2000$ de balance, on va s'énerver un peu là. Je suis content pour des skins de merde à 75$, on est où là? Ah par contre il peut me battre sur celle-là, c'est vrai, elle vaut 100$. Oula. Oh. Ah. Bah voilà un bon duel. Et je parle pas du maïs. Bref, ça. En plus c'est écrit donc fallait lire. Ok, donc là la Shiny Knives elle gagne de loin, mais le Cut Knife Friend c'est pas mal non? Ah non, t'es plus dans la course. La Shiny Knives a gagné, les gars. Cut Knife Fade, oui. Non. Ah, c'est nul, ça. Montons le level. Qu'est-ce qui va le plus payer entre 2 caisses Prince et 3 caisses Diamant? Ouais, c'est bien ça. On va commencer par une Diamant, une Prince, une Diamant, une Prince, une Diamant. Voilà, t'as compris. Ça commence très mal avec le pire skin de la Diamant, je pense. Ça dépend comment il est, en vrai. 75, putain, c'est dégueulasse. J'avais dit que je croyais en la Prince. Non, dommage, le Glock Fate, c'était vraiment pas mal. Ça... Oh, je rentre dans le top, carrément. Eh bah, courage, hein, la diamant. Oh, mec. Mec. Attends. Ah, il est mon mauvais état. Ouh, pardon, la diamant. Mais attends, c'est incroyable. J'ai jamais eu une chatte comme ça, d'habitude, sur Hellcase. Oh là, la P90, c'est incroyable. Non, je rigole. C'est genre 100 balles. Ah, c'est pas mal quand même. Attends, mais qui gagne là du coup? Je pense que le Karambit il est quand même devant. 380 plus ça. Ah, non, la diamant elle est devant. Elle est de loin devant parce qu'elle deagle en plus. Ok, ça c'est mauvais. Mais on est très bien là. Putain, c'est rare de faire un case opening en bénéf. Je suis content. Après, on est peut-être pas forcément bénéf. Il me reste 770 plus 1800. Si, pas bénéf de 500$, c'est du jamais vu. Combat suivant, les gars, il faut hausser le ton. Pause. Tu veux ouvrir des caisses CSGO sans être détruit par Valve? Tu peux passer sur Hellcase avec le code ROCKNARYT qui t'offre ça. Tu as une centaine de caisses pour tous les budgets jusqu'à 500$ et des events tous les mois avec des caisses exclusives. Cependant, le site sera toujours gagnant contre toi. Il est primordial de ne pas jouer ce que tu n'as pas les moyens de perdre. Il y a un concours avec Hellcase pour gagner ce skin. Plus d'infos en description. Moi, les gars, je vous dis une Ruby de chérie contre une Fucan longue. Voilà, je vais vendre un truc pour pouvoir faire ça. Et après ça, on passera en upgrade. Ah, non. Je pense que ça va pas être foufou pour une 400$. 285. Ok, Fucan longue. Hydropony. Je sais pas là, honnêtement. Je pense que c'est plus quand même.
Voilà, 490. Ouh, la charte, ça fait plaisir. Ah là, c'est Fukanlong qui gagne. Ça a été vite, hein. Et on va pouvoir passer au combat, mais avant ça, je vais ouvrir un peu des Killjoy, histoire de vider la balance. Tout est possible. Ok, rien perdu, ça me va. Allons en upgrade. Ma partie préférée des choses. Les gars, on est parti. On part avec 600$ de bénéfice. Si je m'arrête maintenant, mais je vais pas m'arrêter maintenant. Il faudra un truc qui fasse cliquer sur YouTube. Et là, y a rien de très vendeur. Le Karambit Lore. La Web Medusa, ça fait cliquer, on sait, mais... Ah. Ah, la Kafire Serpent, ça fait cliquer, ouais. Vas-y, je la prends. On cherche le clic par ici. Le skin qui fait cliquer. C'est fou, ça. Si je dis M4, imminent danger dans un titre, les gens, ils vont en avoir rien à foutre. 2,1% de batterie. Oh, j'ai eu peur, là. Là, j'ai eu peur, putain. Quelle va être ma technique? Quelle va être mon approche? Parce que là, à la fin, il y a un truc à 500€, quand même. Je tente la Fire Serpent à tous les coups. C'est ça, la technique d'approche. Voilà comment on va y arriver. Au bout, est-ce qu'on va y arriver, même? 5%. En vrai, je pense qu'on peut y arriver. Je pense que c'est genre 50% de chance qu'on va y arriver, au bout d'un moment. Peut-être un peu moins, quand même. Bien sûr, bah, bien sûr, bien sûr. C'est un x17. Ça m'a spoil. Les gars, ça m'a spoil, ça! Le truc là, là! Bien joué, pour ton upgrade. Non! Incroyable! Oh, je la cache out direct. J'espère que vous l'avez. S'il vous plaît. Non. Non pas. C'est YouTube-esque, tout ça. Bon, du coup, on va pas s'arrêter là, quand même. Il reste des choses à accomplir. Maintenant qu'on a les gants, il faudrait un couteau qui aille avec. Faut faire un outfit, tu vois. Il y a du bleu, il y a du jaune, rouge. Bleu, jaune, rouge. Du Butterfly, Gamma Doppler, Factory, New Stat Track. Ça me parle, ça. Putain, s'il te plaît, ne me mets pas la notif, sinon je vais casser un plomb. Oh purée, me fais pas des frayeurs comme ça, chacal. Ouais. Il est loin, mais j'ai eu la frayeur quand même. 13%. Là, on joue un jeune skin à 285$. Dites-vous. J'ai déjà pas mal cash out, donc c'est pas grave de perdre. Je suis là pour faire le beau jeu. Tant que je gagne, je vais rester quoi qu'il arrive. Oh là là, c'est quoi cette session là? Oh, t'as dit quoi là? Oh purée! Oh, c'est trop facile! Putain! Moi j'ai rempli ma mission, vidéo Hellcase. Cette vidéo elle sortira sur la chaîne Rocknar Live. Voilà!